Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto de comment, alors vous pouvez voir par le titre, comment se faire entendre nous et les amis avec un HDPVR sans triton. Alors j'ai une faute dans le titre, c'est pas très grave. Bon c'est pas grave. Sans triton, donc vous l'avez bien entendu, on peut se faire entendre nous et nos amis tout en s'entendant. Pardon. Alors on peut se faire entendre nous, nos amis, et en même temps on peut entendre nous-mêmes nos amis. Alors je vais vous expliquer tout de suite comment. Donc déjà dans les paramètres de la PS3, je ne sais pas si vous le faites, si vous ne savez pas, je vous montrerai. Vous avez les paramètres, vous cliquez sur paramètres audio et vous cliquez sur un truc, c'est oui. Pour dire qu'en fait le son quand il parle ça ressort de la télé. Pour cela, moi je pense, en tout cas je fais avec ceci, il faut une petite oreillette. Moi je dis comment aller. Alors attendez, je me déplace. C'est une oreillette Bluetooth je crois. Mix Mounting. Et c'est voilà et tout ça. Donc ouais, c'est une oreillette Bluetooth je crois. Donc voilà. Donc comment se faire entendre tout en avoir. Je fais que avec la PS3, je sais que avec la PS3, pardon. Alors, la PS3, un HDPVR, une oreillette. Bon, bien sûr, il y a fil en dessous. J'ai refait vite fait chez moi, j'ai bien galéré pour rien, c'est pas grave. Alors, déjà, vous mettez l'HDPVR quand vous avez fait toutes les fonctions et tout ça. Bon, normalement, ça c'est bon. Là, le sujet, c'est pour se faire entendre. Alors, vous prenez l'oreillette, et tandis que vous la mettez à votre oreille, normalement, et ben normalement vous avez, ça dépend quelle oreillette aussi, après je sais plus avec celle-là, après les autres je sais pas, normalement vous avez un petit truc dans le même genre, donc ici je suis en train de alors ici là vous voyez là vous avez le petit truc pour recharger l'oreillette, et ben vous allez la recharger. C'est tout simple, vous allez la prendre, alors vous la prenez, et vous allez la mettre sur ceci, donc sur le petit chargeur. Normalement elle va s'éteindre. Alors quand elle sera éteinte, donc vous ne pourrez plus parler, mais vous entendrez vos amis normalement à partir de la télé. On tient un petit bug, c'est pas grave. Voilà, donc vous pourrez entendre vos amis par rapport à la télé. Vous allez aller vous allez appuyer moi c'est ici, c'est le bouton power. Donc vous allez appuyer longtemps, et au bout d'un moment ça va devenir bleu, ça va s'allumer. Et quand ça écrira en haut à droite de l'écran, ça va être écrit comme quoi c'est ok, donc c'est connecté. Donc connecté, j'explique un petit peu vite fait quoi. Donc quand c'est connecté, c'est bon normalement. Alors vous prenez HDPVR. Au début vous faites un test quand même pour tester. Donc simplement vous l'allumez. Donc vous l'allumez, vous allumez la PS3. Et forcément vous mettez là-bas. Vous éteignez, vous rallumez. Et tout ça. Et à partir de votre ordinateur, quoi. Vous allez tester. J'aime bien faire chez moi. Donc vous allez tester. Donc là c'est l'ordinateur, hein, il m'a le fait. Donc vous avez votre site et tout. Testez, vous regardez. Et si ça marche pas, vous me le dites. Et si ça marche, tant mieux. Donc vous avez trouvé comment. J'ai trouvé plutôt comment faire pour dire d'avoir sans avoir triton qu'on peut s'entendre. Mais par contre, ça peut être assez désagréable quand même. Ce qui le risque qu'il y a, c'est que vos amis ils vous entendent pas assez sur certains jeux. Ça arrive souvent quand même. Comme sur Burnout, on l'entend pas assez quoi. Après les autres risques, ouais, c'est que vous les entendiez pas. Parce qu'il y a le son de la télé, donc souvent il faut aller sur. Vous allez sur Start, il y aura écrit Option, vous cliquez dessus, il y aura écrit Volume, vous baissez, et voilà. Vous baissez le volume, bon c'est moins agréable, mais faut faire avec ce qu'on a, hein. Comme moi, bon, je me suis débrouillée. Donc bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vais vous dire ciao, alors abonnez-vous, commentez, partagez, aimez, etc. Donc c'était un petit plus de mes vidéos pour vous, voilà quoi. J'espère que ça vous aide, alors je vais récupérer, je vais vous redire ça tout de suite, vite fait, donc on s'en fout pas, on dit.
Alors, vous avez ceci, vous avez une oreillette, vous avez un HDMI, vous avez une casserole, vous l'éteignez, vous le branchez dedans, sur le truc de chargeur. Mais par contre, si c'est un câble genre la manette là, ça va pas trop fonctionner. Donc c'est pour ça, essayez, faut peut-être que vous avez obligatoirement ceci. Voilà. Donc vous le branchez, vous l'allumez pendant longtemps, et puis voilà. Voilà. Ben, pendant qu'elle recharge, si vous voulez vous la mettre à recharger, si vous pouvez vous l'allumer, puis c'est bon. Moi c'est ce que je fais. Vous allez qu'à voir mes autres vidéos et vous verrez comment on m'entend. Après, pour... Ah oui, j'ai pas fini. J'allais oublier une astuce. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, la vidéo, pendant la vidéo, ils vous entendront pas. Puisque on va entendre que vos amis pour l'instant, donc pour ce début-là, on va entendre que vos amis et le son du jeu forcément, mais pas vous. Alors en même temps, vous allez aller sur un site qui s'appelle Audacity. Donc j'essaierai de mettre le lien dans la description. Ok. Vous allez sur le site Audacity et en même temps vous enregistrez en appuyant ici quoi. Donc voilà, et vous faites arrêter, vous faites fichier, exporter. Et vous le mettez dans le fichier. Donc moi c'est dans vidéo. Je mets lol. Voilà. Donc ok. Voilà. Non. Donc vous faites non. Vous allez dans les vidéos. Et vous auriez. Et vous aurez votre petit fichier. Quoi ouais, donc voilà. Voilà. Et vous. Voilà. Donc vous avez entendu son mais bizarre, mais c'est pas grave. Sur le gameplay. Donc voilà. Alors à partir de ce site, vous pourrez parler. Mais si vous filmez plus que 15 minutes, le site qui est fourni, comme moi, j'ai le site Acroft Showbiz, il coupe les moitiés de vidéos à partir de 15 minutes. Donc, mais sinon, vous faites le truc, vous faites créer, transférer YouTube et voilà quoi. Mais moi, il coupe à partir de 15 minutes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai bien chopé, bah, j'ai bien douillé, on va dire. Par contre, la qualité, là, faut bien régler, vous faites option préférence. 16.9 et 1000 dans le même, bah selon votre ordi ce qui est capable de prendre maximum en fait. Mais par contre le problème c'est que vu que ça fait en plusieurs parties que c'est pas vraiment agréable, il faut trouver un autre site. Et moi j'ai Vidéopad, Vidéo Editor. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment il est. Donc ça va mettre longtemps, je sens vouloir de vigueur, donc je vais faire ça vite fait. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant vous savez un peu tout quoi. Donc ciao.